avec là, il montre dedans. Vraiment les femmes au volant ça. Sam, non, ça va, je pense. Heureusement, elle avait plu. Je t'ai vu en plus dans le rétro. Ouais, je t'ai vu, tu regardais pas. Y'a pas de soucis, vas-y. Bon, ça a pas l'air d'être grand chose. On a déjà fait ça sur le KTM en plus. On a fait tomber son téléphone, elle a préféré ne pas regarder la route et ne pas freiner pour prendre son téléphone. J'ai juste. Oh non. En plus, là, je vais à Marseille. Ça veut dire monter plus qu'on me casse la bécane. Tu te claques la barre et tes lèvres. Yep. Ouais, je t'entends pas trop, excuse-moi. Ouais. Bah, je vais à Marseille là. Hein? Je vais à Marseille là. Ouais, là je pars à Marseille tout de suite là. Vas-y, salam. Il y a des bouchons dans les oreilles là, j'entends même plus la bécane. Franchement, je connaissais pas. Ça va ou quoi, mon frère? Une petite photo Insta là. Allez, c'est parti!
allez pouvoir repartir déjà. Comment ? Normalement. Ouais. Vous allez pouvoir repartir déjà. Ok. Normalement. Je vais à Marseille là en fait. 170 km/h. Ah ouais ? Ouais. Merde. Oui. C'est trop tard quand vous essayez de vous cacher derrière la voiture. Franchement en fait j'ai même pas fait gaffe quoi. En fait je vous ai vu au dernier moment sur Waze. Sur Waze c'est vraiment au dernier moment que je vous ai vu. Et quand je vous ai vu en fait. Ouais c'est là. Bah je prends en fin de descente quasiment. Je peux pas remonter la vitesse parce que je repiquais derrière. Après c'est pas, on est pas obligé hein, donc... Ah faites attention, ça va vite avec les motos. Vous êtes fini ? Ouais. Ben, après le problème c'est, je vous dis, hein, si vous faites refuser de signer, vous allez recevoir l'avis et vous expliquer pourquoi vous allez refuser de signer. En gros c'est ça. C'est vous qui voyez. Je vous explique, hein. Et ben, c'est tout bon pour moi. Voilà. Vous pouvez prendre la route. Avec prudence. Si vous voulez garder le permis. Ouais. Je peux prendre une photo de la moto avec la voiture ou pas ? Allez-y. Ouais. Il a immortalisé le coup. Hein. Ouais, on l'a fait de pas tomber sur la voiture. J'ai payé pour ça. Ah, vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé encore. Je vous remercie parce qu'on vous sauve peut-être la vie aussi. Voilà. Ouais, non, franchement, à la vitesse, faut vraiment faire attention. J'adapte un peu la vitesse par rapport aux voitures. Le problème, c'est les autres. Il n'y a pas que nous. Justement, je sais ce que c'est aussi. C'est notre quotidien et on voit comment les gens sont sous nous. En fait, je fais attention, j'adapte un peu par rapport aux voitures. Et dès que, par exemple, il y a un comportement. Configuration. En sorte de couper la route ou quoi, bah, je ralentis. C'est tout bon, vous pouvez y aller. Bah, allez, bonne route, et faites attention. C'était bien fun. Moi, à 170, vitesse retenue 161. Et justement, je fais toujours attention à ça. Là, ils ont eu de la chance parce que je les ai pas vus. En fait, le GPS, il est en dessous de ma tête. Je peux pas voir vraiment le signalement. Et en plus, comme j'ai des bouchons dans les oreilles, bah, j'entends pas réellement ce que dit le GPS. Dommage. Cherche-lui ou quoi lui. Je vais commencer à le tracer sur l'autoroute, tu vas voir. Il reste 541 km. Hein. J'ai même pas fait la moitié, je me suis déjà fait arrêter. Thank you.
Beau. Voilà, je comprends rien. Alhamdoulilah, tout d'un coup là. Ouais, je suis arrivé. Je suis au niveau du TGV là, j'attends que mes potes ils arrivent et il y a notre pote qui va les récupérer en voiture. El Ahmar, espèce de bite, c'est de l'autre côté là. C'est de l'autre côté. Tu es arrivé avant? Ah, c'est de l'autre côté? Ouais. Aïe aïe aïe, beau gosse. Beau gosse. Marseille bébé. Ah, je voulais absolument arriver avant le TGV. Parce qu'Adam il a osé me dire tu vas pas arriver avant le TGV. T'as le bâtard là. Mais quoi, tranquille. Oui. Ça va quoi. Eh frère, je me suis mangé une pluie. Allons-y. Nouveau partenaire, un manche de casque The Rock actuellement que j'ai fait le voyage avec, une débouche anti-bruit du coup pour atténuer le bruit, et franchement c'était nickel. C'est bon, je suis monté sur la VK, ça m'a réveillé.